CIST à cause de vous, Laurent Ruquier dévoile le nom de cette personne qu'il a incité à participer au traître. Lundi 26 août 2024, Laurent Ruquier était de retour sur les ondes de RTL, avec la nouvelle saison des Grosses Têtes. À cette occasion, il a révélé qui était la personne qu'il avait incité à participer au programme télévisé Les Traîtres. Le jeudi 15 août 2024, à 21h10, le public a pu découvrir la troisième saison des Traîtres, composée de 20 personnalités. On y retrouve Sylvie Tellier, Frédéric Bell, Stomy Bugsy, Bruno Solo, Valérie Trierweiler, les créateurs de contenus Emmy LTR, Crazy Sally et Studio Daniel, ou encore Hugo Manos et Laurent Ruquier. Dans ce jeu télévisé mené par Eric Antoine, l'ancien présentateur dont Net en direct fait sensation et ne laisse pas indifférents les internautes assidus du programme. Ce lundi 26 août 2024, lors de la rentrée des classes de l'émission radiophonique Les Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier a dévoilé le nom de la personne qui lui avait donné envie de prendre part au traître. Il s'agit de la comédienne Charlotte de Turckheim. Je vous ai adoré dans l'émission, les révélations de Laurent Ruquier à Charlotte de Turckheim sur les traîtres. Au cours du premier numéro des Grosses Têtes de la saison 2024-2025, Laurent Ruquier a accueilli la comédienne Charlotte de Turckheim, dans le cadre de la promotion de son nouveau film, Félé, avec Pierre Richard, dont la sortie est prévue ce mercredi 28 août 2024. L'an dernier, l'actrice a participé à la deuxième saison des Traîtres, et le compagnon d'Hugo Manos aurait été conquis par son jeu de rôle. Sur les ondes de RTL, Laurent Ruquier a déclaré « CIST à cause de vous que j'ai fait cette émission, Charlotte. » Ce à quoi, la maman de Clara, Julia et Johanna Platon a répondu sans filtre « Mais quel menteur! Je vous ai dit, ne le faites pas !» L'ancien animateur du 20h de Ruquier a livré de plus amples détails sur sa motivation, « CIST à cause de vous que je l'ai fait, parce que je vous ai adoré dans l'émission, l'été dernier. » Cependant la réalisatrice de Mince alors n'a pas gardé un bon souvenir de cette expérience audiovisuelle. Au micro de Laurent Ruquier, cette dernière s'est livrée comme jamais, « Ah non, mais c'était affreux. Mais oui, j'étais peut-être très bien à l'antenne, mais ils ont coupé tous les trucs horribles. Les gens se sont dit des choses monstrueuses. Si est-ce horrible ce truc. » Pour l'heure et contrairement à son invité du jour, Laurent Ruquier semble lui satisfait de sa participation dans le programme emblématique de